Chers téléspectateurs, amis, frères dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul vrai Dieu. Nous bénissons son nom parce qu'il nous a donné l'opportunité d'être là cet après-midi pour vous présenter votre émission 100% évangélique, l'émission que vous aimez, l'émission que vous appréciez tant. Parce que 100% évangélique vous enseigne, vous parle de la parole, de la vérité, sans en rien vous cacher. Donc, les enseignants de 100% évangélique ont le mandat de vous annoncer, de vous dévoiler, révéler cette parole de vérité sans rien cacher. Car eux aussi, ils ont besoin d'avoir la vie éternelle. Eux aussi, ils travaillent pour la vie éternelle. Donc, voilà la raison pour laquelle ils ont l'intérêt de dire la vérité et rien que la vérité. Donc, je suis très, très heureux et joyeux d'être cet après-midi sur cette onde de KCV, votre télévision. Donc, très joyeux, très content au nom de Jésus-Christ de pouvoir vous retrouver encore sur ce plateau pour vous présenter 100% évangélique, bien que c'est notre frère bien-aimé Jean Labadie qui devait être là, mais il a une ambiguïté, il ne peut pas être là. Donc il sera là dimanche prochain et l'autre dimanche prochain de suite ensuite de dimanche suivant. Donc je profite ce moment pour le saluer par un saint baiser d'affection au nom de Jésus-Christ et je salue tous les frères et les sœurs au nom de Jésus-Christ par un saint baiser d'affection et je vous dis soyez fortifiés dans le Seigneur, soyez affermis et encore et restez inébranlables en son nom. Donc en disant merci aussi à notre technicien qui est là et qui permet à ce que le Seigneur utilise, à ce que cette émission puisse être possible cet après-midi, parce que le Seigneur sait bien que beaucoup parmi vous attendaient l'émission 100% évangélique, et il a fait tout en utilisant notre technicien pour vous permettre de voir l'émission 100% évangélique. Donc, je vous avais déjà annoncé le sujet qui nous aurions aujourd'hui. Donc, le sujet, c'était la gloire magnifique. Donc, on a pu conclure sur le thème de bras et droite de l'Éternel, la droite de Dieu. Et on a conclu, on avait fait la conclusion dimanche dernier sur le fait que l'Éternel jure par lui-même. Il jure par sa droite, par son bras. On avait conclu avec ce thème, le fait de jurer par soi-même. Donc, par lui-même plutôt. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons la possibilité, par la grâce du Seigneur, de pouvoir vous présenter l'émission 100% évangélique avec ce sujet que je vous ai annoncé dès longtemps. C'est la gloire, la voir ou la gloire magnifique. Donc, c'est la gloire magnifique. La gloire magnifique ou la voix magnifique, mais la gloire magnifique. Donc, je vous avais annoncé ce sujet. Nous allons débattre sur ce sujet avec la Bible en main. Alors, l'objectif de ce sujet, je vous ai toujours donné l'objectif, la raison pour laquelle on va partager. Donc, n'oubliez pas notre départ. Je vous rappelle toujours ce départ, c'était dans Matthieu 28, 19. Nous voulions découvrir quel était le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Donc, nous avons pu toucher beaucoup de points qui peuvent vous aider à comprendre qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Donc, maintenant, c'est un autre point que nous avons, que les gens posent toujours des questions en disant, mais la voix qui parlait là, avec qui il parlait, quand la voix parlait là, quand il dit mon père, avec qui il parlait, n'était-ce pas son père, n'était-ce pas quelqu'un d'autre, ce n'était pas lui-même. Donc, on va vérifier. Parce que la Bible, ce que nous allons voir, c'est que la Bible n'a pas identifié la voix de la personne qui parlait. La Bible n'a pas fait une précision en disant c'est la voix de M. Paul qui parlait.
Mais la Bible a dit, une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre. On n'a pas dit quelle voix. Mais beaucoup de gens disent, voilà, la voix du Père. Donc, on va examiner ensemble, on va regarder ensemble. Était-ce la voix de quelqu'un d'autre qui s'appelle le Père, qui n'est pas Jésus-Christ? Donc, si c'est le cas, c'est la Bible qui va nous dire cela. Donc, c'est pourquoi nous allons partager et détailler là-dessus pour pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Nous allons parler de la gloire magnifique, la voix magnifique, la majesté de Dieu. Donc, nous allons débuter notre sujet là-dessus. Donc, avant de commencer ce sujet, je vous invite, par les compassions de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à invoquer le nom du seul vrai Dieu, si vous le croyez. Si vous le croyez, invoquez son nom avec nous, hein, dans la prière, parce que vous savez bien, sans lui, nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas transmettre les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je vous avais quoi? C'est lui le maître. C'est lui le centre. Et comme il a dit dans sa parole, vous m'appelez maître et seigneur. Je le suis. Mais si moi, qui suis le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, donc, vous devez faire comme je vous ai fait. Vous devez faire comme je vous ai fait. Donc, moi, le maître, je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, il est le maître, le centre. Donc, c'est lui qui doit nous conduire, qui doit nous aider, qui doit nous utiliser. Indigne que nous soyons pour porter sa parole, pour transmettre sa parole, pour aider nos frères et sœurs à comprendre la parole de la vérité. Mais c'est par sa grâce que nous allons pouvoir le faire. Parce que sans la grâce du Seigneur, il est impossible de parler en son nom. Il est impossible de permettre aux gens de comprendre. Il est impossible que les cœurs soient attentifs à la parole de la vérité et soient sauvés. Donc nous allons l'invoquer ensemble. Il est le consommateur de la foi. Et nous avons besoin de lui tous les jours, chaque seconde, chaque moins de seconde, nous avons besoin de lui. Donc je vous invite à invoquer son nom avec nous dans la prière, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Indigne que nous soyons, irreconnaissant que nous soyons, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire, Seigneur, ce que nous pensons au fond de nous, ce qui nous traverse au fond de nous, ce que nous ressentons tout au fond de nous, à ton égard. Seigneur, nous voulons te dire que nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu es le premier, le dernier, le tout-puissant et que c'est par toi que nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. C'est par toi, Seigneur, que nous pouvons rire. C'est par toi que nous sommes affranchis. C'est par toi que nous avons la liberté. Donc, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants parce que tu as travaillé pour cela. Donc, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous nous demandons tout le temps pourquoi ne pas t'adorer, pourquoi ne pas te prier, pourquoi ne pas nous prosterner devant toi tout le temps, chaque seconde. Puisque tu es digne de nos louanges, puisque tu es digne de nos adorations, puisque tu es digne que nous nous prosternons, que nous nous soyons prosternés devant toi, car tu es notre Dieu. C'est toi qui es digne, c'est toi qui es assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône est digne de louanges, de gloire, d'honneur, d'exaltation, de sainteté, de majesté. Donc Seigneur, nous t'adorons. Donc Seigneur, nous te magnifions. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc, Seigneur, tu nous as accordé ton esprit afin que nous puissions t'adorer, te louer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Merci pour les téléspectateurs, les téléspectatrices. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta parole.
Ils ont besoin de ta compréhension. Ils ont besoin, Seigneur, que leur cœur soit ouvert, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment comprendre ta parole. Ils ont besoin que les écailles soient tombées, Seigneur, de leurs yeux. Ils ont besoin, Seigneur, qu'ils soient vraiment affranchis par cette vérité, par toi, Seigneur, qui est la vérité. Ils ont besoin, Seigneur, d'être libres, réellement libres, Seigneur. Ils ont besoin, Seigneur, d'être vraiment dans ta maison, d'être sous ton abri. Parce que, Seigneur, chez toi, dans ta maison, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie. Merci pour ta parole. Merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Merci pour notre technicien. Bénis nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à réfléchir. Beaucoup de gens ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de comprendre ta parole. Beaucoup de gens sont chez eux, Seigneur. Ils ne vont nulle part. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu les guides, que tu les augmentes. Seigneur, permets à ce moment qu'ils puissent voir et comprendre. Permets à ce moment qu'ils puissent avoir l'art de discerner, de comprendre l'esprit de discernement, Seigneur. Permets à ce qu'ils puissent comprendre, Seigneur, avoir l'esprit de discerner les esprits, les gens qui sont de toi et qui ne sont pas de toi, Seigneur. Permets à ce qu'ils puissent lire bien, comprendre bien ta parole. Permets à ce que cette révélation de ta parole puisse être accordée à eux, afin qu'ils puissent être affranchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour nos frères. Merci encore pour nos sœurs. Merci pour les enfants. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Tu as fait beaucoup de choses. Nous te sommes reconnaissants. Tu nous as aimés. Nous te sommes reconnaissants. Tu as livré, Seigneur, ta vie pour nous. Nous te sommes reconnaissants et nous t'adorons, nous t'aimons. Nous voulons que tu nous aides à t'aimer plus. À t'aimer plus, Seigneur, à t'adorer plus. À nous approcher de toi plus que jamais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Chers téléspectateurs, nous venons de vous dire tout à l'heure, le sujet que nous avions, c'est la gloire magnifique. Merci parce que, déjà, merci infiniment, parce que vous avez invoqué son nom avec moi. Et le fait que vous invoquez son nom avec moi, vous allez avoir cet esprit de discernement des esprits. Vous allez avoir cet esprit de consolateur qui va vous aider et qui est en train d'agir maintenant pour vous aider à comprendre la parole et vous aider à vous orienter, à comprendre, à savoir là où vous devez aller, là où vous devez aller et comment soutenir et défendre la parole de la vérité. Vous savez, nous n'avons pas un parti politique, donc on va vous dire de venir par-ci ou par-là, mais c'est le Seigneur. Au Seigneur de vous guider, non pas à un homme. À la parole de la vérité de vous guider. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc dès que vous connaîtrez cette vérité, vous ne serez plus esclave. Vous serez libre et affranchi par celui qui peut affranchir, Jésus-Christ de Nazareth. Donc dès que vous serez affranchi, vous saurez où aller, quoi faire, et comment défendre la vérité. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ à ce qu'il permette, à ce qu'il permette que vous soyez affranchis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer. Nous vous saluons à nouveau au nom de Jésus-Christ et nous allons entamer notre sujet sur la gloire magnifique. Donc, pour entamer ce sujet, nous avons un verset de base. Nous avons débuté notre sujet, c'est dans 2 Pierre 1, le verset 16-17. 18.
Donc, le texte que nous allons débuter, avec lequel nous allons entamer ce sujet, c'est de Pierre, chapitre 1, le verset 16, 17, 18. Et à ne pas oublier que Jean 8, le verset 24, avait dit: vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que, virgule, je suis. Donc, si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Donc, nous allons lire de Pierre 1, le verset 16, 17, 18. Nous allons le lire ensemble. Alors, le verset 16, chers téléspectateurs. Alors, regardez bien, parce que je vais avoir besoin de votre attention. Votre attention. Alors, le verset 16. Il est écrit: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Je vais le relire, le verset 16. On va relire. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Écoutez, il y a lire et il y a lire bien. On peut lire, on ne lit pas bien, on ne comprendra pas. Mais quand on lit très bien, on comprend. Il ne faut pas lire pour lire. Il ne faut pas lire pour lire. Il faut lire pour comprendre. On lit une première fois, on ne comprend pas, on relit. C'est tout comme quand on était à l'école. On a un problème à résoudre. Pour trouver la résolution de ce problème, nous avions besoin de lire plusieurs fois pour comprendre ce qu'on nous a demandé de résoudre dans le problème. Donc, si on ne lit pas, on ne peut pas résoudre le problème. Donc, voilà, on doit lire et relire pour comprendre le verset 16. Il est écrit: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu quoi, sa majesté de nos propres yeux. On l'a vu, sa majesté. C'est pas parce que nous t'entendons, on n'a pas les nous répéter après moi, mais c'est comme des gens qui ont vu sa majesté, dit l'apôtre Pierre. Le verset 17: car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix. Alors écoutez bien. Qui lui fit entendre une voix? Regardez bien, analysez le texte. Hein. Qui lui fit entendre une voix?
Le texte m'a dit, c'est la gloire magnifique. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La gloire magnifique. Qui est la gloire magnifique? La gloire magnifique ne peut être que Dieu seul. Et le seul, voit Dieu, le Créateur. Donc, c'est la gloire magnifique qui fit entendre à Jésus une voix. Et cette voix qui est la voix de la gloire magnifique, écoutez bien, regardez le texte. Qui est la gloire magnifique? Quand cette voix se fit entendre, Jésus-Christ entend la voix magnifique. Il entend la voix de la gloire magnifique. Le texte n'a pas dit que c'est la gloire du Père, mais c'est la gloire magnifique. Écoutez bien, la gloire magnifique. Donc, la gloire magnifique disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Regardez le texte. Et nous avons, le verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc, la gloire magnifique fit entendre à Jésus-Christ et aux apôtres qui étaient là, entendre une voix. Et on dit que cette voix, c'est la gloire, la voix de la gloire magnifique. Maintenant, écoutez bien, oui. Il faut souligner dans le texte, il a vu sa majesté, ils ont vu la majesté de Jésus-Christ. La gloire magnifique qui parlait, écoutez bien, parce qu'on va revenir là-dessus. Donc, la voix qui parlait, c'était la gloire magnifique. OK? Ils ont vu la majesté de Jésus-Christ et la gloire magnifique parlait. Maintenant, allons voir où est-ce qu'ils ont entendu la gloire, la voix de la gloire magnifique. On va voir où ça. Donc, regardez, nous allons prendre ce texte. Nous allons prendre Luc 19. Je crois Luc 9. Alors, regardez Luc 9, Luc chapitre 9, pour constater où est-ce qu'ils ont entendu la voix de la gloire magnifique. Écoutez bien. Le texte n'a pas dit ils ont entendu la voix du Père. Mais le texte a dit c'est la voix de la gloire magnifique. Alors, il faut souligner ça et garder ça parce qu'on va examiner maintenant. Donc, dans Luc 9, nous allons lire à partir de verset 28. À partir de verset 28, il est écrit, « Environ 8 jours après qu'ils eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent, regardez bien, regardez le texte verset 32, ils virent
la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, ces deux hommes-là, comme le texte a dit, apparaissant dans la gloire, le verset 31 dit, ces deux hommes-là apparaissant dans la gloire, quelle gloire! Le verset 32, c'est la gloire, dans la gloire de Jésus, ces hommes apparaissent, dans la gloire de Jésus. Donc, les trois apôtres qui étaient là, ils ont vu la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, ces hommes-là sont apparus dans la gloire de Jésus. Alors, n'oubliez pas le texte de 2 Pierre 1, 16, 17, 18. C'est la gloire magnifique qui se fit entendre. Donc, on parlait ici-là de la gloire de Jésus. Même Moïse et Élie se sont apparus dans la gloire de Jésus-Christ. Et la voix qui parlait, c'était la voix de la gloire magnifique. La gloire de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La gloire magnifique. Attendez. Continuons plutôt. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée leur couvrit. Alors, si vous vous rappelez bien, je traiterai un sujet là-dessus à un autre moment. Quand on parlait des nuées qui couvraient, quand on dit les nuées couvraient le tabernacle au temps de Moïse, que symbolisaient les nuées? C'est la gloire de l'Éternel. Hein? Beaucoup de nuées dans le tabernacle. Regardez quand Moïse s'est présenté dans le tabernacle avec Myriam et Aaron, quand sa sœur et son grand-frère se levèrent contre lui. Donc Dieu a appelé Myriam et Aaron. Et lorsque la présence de Dieu se présentait dans la tente de l'assignation, quelle était la gloire de Dieu? C'était les nuées. Hein? Les nuées couvraient les tentes. Hein? Les nuées couvraient, on disait que la gloire de Dieu remplissait le temple. Donc, remplissait le temple. Donc, le texte a dit dans le verset 34, « Comme ils parlaient ainsi, une nuée leur couvrit. » Donc, la gloire de Dieu les couvre. La gloire de Dieu les couvre. N'oubliez pas, la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Jésus-Christ, c'est ce qu'on voit là. Parce que là, ils sont en pleine gloire de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu. Mais comment voir la gloire? Est-ce que pour vous, chers téléspectateurs, la gloire, c'est une chose concrète qu'on peut voir? Ou c'est une chose abstraite qu'on ne peut pas voir? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Hein? Moïse et Élie se sont apparus dans la gloire de Jésus-Christ, dans cette même gloire. Et cette nuée qui les a couverts, c'est cette même gloire encore, parce que la nuée symbolisait la gloire de Dieu qui les couvrait, hein, les trois apôtres qui étaient là, les couvraient. Et puisque nous savons que les nuées, c'est la gloire de Dieu, dans la nuée, cette voix va se faire entendre. Et la nuée sortait, hein, et de la nuée sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Écoutez bien, chers téléspectateurs, examinez. Regardez. Regardez bien. Le verset 31. Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. La gloire de qui? C'est la gloire de Jésus-Christ. Amen. Parce que les apôtres, ils ont vu cette gloire-là. Ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. On est clair. Deuxième chose. Le verset 32, chers téléspectateurs. Ils virent la gloire de Jésus. Ils virent la gloire. Ils n'ont pas dit qu'ils ont vu la gloire de quelqu'un d'autre, mais la gloire de Jésus. Ce n'est pas la gloire de Moïse. Le texte a dit, Moïse et Élie se sont apparus dans la gloire. La gloire de qui? De Jésus-Christ.
Donc Jésus-Christ est apparu dans cette même gloire parce que c'est sa gloire. Maintenant, puisque la gloire de Dieu est là, donc les nuées se sont couverts tout autour. Et le texte a dit que les nuées se sont couverts. Et les apôtres, les trois apôtres qui étaient là, se sont effrayés. Le verset 35, Luc 9. Et de l'agneau sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. Écoutez bien, chers téléspectateurs. Examinons. On va lire le verset 36 et 37 après. Écoutez bien. On va faire une petite révision. Écoutez bien. On a lu au début, chers téléspectateurs, 2 Pierre 1, le verset 16, 17, 18. 2 Pierre 1, 16, 17, 18. Nous avons souligné le mot majesté. Ils ont vu de leur propre yeux majesté. Donc, regardez bien, oui, de Pierre, parce qu'il nous faut analyser ensemble pour que vous puissiez comprendre bien ce que je suis en train de vous montrer. Parce que beaucoup de gens disent c'est la voix du Père, la voix du Père qui parlait, la voix du Père qui parlait. Là, on va voir est-ce que c'était la voix du Père ou c'est la voix de Jésus-Christ lui-même. Donc, regardez bien. Alors, gardez Luc 9 et 2 Pierre 1 pour comparer. Parce que c'est Luc 9 que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, est en train d'expliquer. Parce qu'il ne l'avait pas dit auparavant, il l'a dit ici, là, dans cette épître-là. Alors, regardez bien. Le verset 16, on va relire. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, regardez dans Luc 9, verset 32. Il vit la gloire de qui? De Jésus-Christ. Donc, la gloire, c'est synonyme de majesté. La gloire, dans sa gloire, dans sa majesté, c'est synonyme. Synonyme. Donc, dans le texte, ils ont vu la majesté. Donc, dans le chapitre 2, Pierre 1, 16, ils ont utilisé le mot majesté. Dans Luc 9, le verset 32, ils ont utilisé le mot gloire. Ils ont vu la gloire ou la majesté. Bon, écoutez bien. Est-ce que la gloire ou la majesté sont des choses concrètes ou abstraites, chers téléspectateurs? Peut-on les voir ou les toucher ou ne peut-on pas les voir? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu la gloire de Jésus-Christ, la majesté de Jésus-Christ. Donc, on sait qu'il n'y a pas de majesté, de gloire. Donc, on est clair là-dessus. On est clair là-dessus. Donc, on a souligné le mot majesté, gloire comme synonyme. Ils ont vu la gloire de Jésus, donc la majesté de Jésus-Christ. Ils ont dit ça dans le verset 16 de Pierre 1, 16, pour montrer Luc 9, 32. Examinez ensemble. Deuxième chose. Nous, je viens de vous dire que les nuées symbolisaient la gloire de Dieu. Bon, je sais que vous avez besoin que je vous donne un texte. Je vous donnerai ce texte juste à la fin. On va continuer. Donc, l'agneau, c'est la gloire de Dieu. Encore. Alors, regardez bien, oui. On a la gloire de Dieu. On a la majesté de Dieu. On a l'agneau. Ces trois choses, la gloire, l'agneau, la majesté, symbolisent la même chose. Donc, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la majesté de Dieu. Donc, l'agneau. Regardez dans Luc 9, le verset 35. Et de l'agneau sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoute-le. D'où sortait la voix qui parlait? D'où sortait la voix qui parlait? Dans l'agneau. On est clair. L'agneau, c'est quoi? C'est la gloire. La gloire de qui? La gloire de Jésus-Christ. Donc, si c'est la gloire de Jésus-Christ qui parlait, c'est qui parlait alors? On ne va pas trop vite. Examinons. On va recommencer. Écoutez bien. 2 Pierre 1, 16, 17, 18 nous dit, apôtre Pierre, bon, finissons plutôt de lire le verset 36, 35, Luc 9, pour qu'on puisse bien comprendre. Le verset 36. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Hein?
Élie et Moïse, Élie et Moïse n'étaient plus avec lui. Jésus-Christ était seul. Regardez bien, Jésus-Christ était seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Vous voyez, je vous dis que Pierre n'avait rien dit au moment où il avait vu la gloire de Jésus-Christ. Il avait réservé cette parole, cette révélation. Et c'est au moment dans cette épître-là, de 2 Pierre 1, 16, 17, 18, apôtre Pierre a décelé, a révélé, a dévoilé ce qu'il avait vu. Il avait vu quoi? La majesté de Jésus-Christ ou bien la gloire de Jésus-Christ. Donc, il n'avait rien dit sur ce qu'ils avaient vu. On éclaire le verset 36. Le verset 36. Donc, maintenant, on peut maintenant examiner ensemble. Tranquillement, je lis le verset 36. Ok. Regardez bien. On va examiner pour voir d'où vient la voix qui se fit entendre. Est-ce la voix du Père? Donc, de quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus-Christ. Soulignez bien dans le texte, lorsque la voix se fit entendre, Jésus-Christ était seul. Élie et Moïse n'étaient plus avec lui. Et lorsque les trois apôtres disaient, « Maître, il est beau que nous étions ici. Maintenant, construisons, faisons trois tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » Et la gloire de Jésus-Christ les envahit. Et cette gloire-là se fit entendre. Cette gloire-là s'exprime. Cette gloire-là parle. Cette gloire-là fait entendre son autorité, sa puissance. Cette gloire-là se manifestait. Ce n'était pas la gloire de quelqu'un d'autre, mais c'était la gloire de Jésus-Christ. C'était la majesté de Jésus-Christ. C'était l'agneau qui symbolisait la gloire de Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ lui-même qui se fit entendre par une voix. Mais le texte n'a pas dit que c'était la voix du Père. Hein? Vous avez un texte qui dit que c'est la voix du Père qui parlait? Non, il n'y a pas un texte qui dit ça. C'est la gloire qui parlait. Regardez encore dans 2 Pierre. Hein? 2 Pierre 1, 17. Quand la gloire, hein? Quand il a reçu du Père, il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Hein? Quand la gloire magnifique fit entendre une voix. C'est la gloire magnifique. Donc, qui est le Père? C'est Jésus-Christ, le Père. Donc, puisque c'est lui qui est le Père, comment pouvez-vous dire que c'est la voix de quelqu'un d'autre? Et n'oubliez pas, ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas la gloire du Père ou de quelqu'un d'autre. Enfin, du Père qui est quelqu'un d'autre. Mais la gloire du Père qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est la voix, c'est la gloire qui parlait. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Parce que le texte a dit, quand il a reçu du Père, honneur et gloire, virgule. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix. C'est la gloire magnifique qui fit entendre la voix. Et dans cette voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sept montagnes. Et c'est la même chose dans Luc. Et de l'agneau sortit une voix, Luc 9, 35, qui disait, celui-ci est mon fils élu, écoute-le. C'est la voix, c'est Jésus lui-même qui parlait dans sa gloire. Il parlait dans sa gloire. Mais ce n'était pas quelqu'un d'autre, chers téléspectateurs, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Alors prenons un autre verset. De cette même voix, on n'a pas précisé quelle voix. Alors, écoutez bien, beaucoup de gens disent que c'est la voix du Père. Et on va vous montrer, c'est le contraire, c'était la voix de Jésus-Christ
qui est le Père. Parce que quand les gens disent c'est la voix du Père, ils veulent dire que ce n'est pas Jésus-Christ qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais non, c'est Jésus-Christ lui-même, en tant que Père, qui parlait dans sa gloire. Et je vais vous montrer, selon la Bible, que vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Regardez bien ça. Jean 5, 37. Alors, gardez ces versets très forts. Jean 5, 37. C'est très, très important. Jean 5, 37. Avec cela, quand les gens vont vous dire, « Ouais, c'était la voix du Père qui parlait. » Alors, vous allez prendre Jean 5, 37 et vous allez donner à la personne qui dit cela et demander à cette personne de lire bien et de bien examiner après avoir lu. Donc, dans Jean 5, 37, chers téléspectateurs, il est écrit. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Point. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Amen, chers téléspectateurs. C'est pas moi-même, non, c'est la Bible. Vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Si vous prétendez que la voix qui parlait, c'était la voix de quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus-Christ, donc vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Donc, à vous qui dites, mais la voix qui parlait là, c'était le Père. Jean 5, 37. Ce n'était pas la voix du Père qui est un autre, mais c'est la voix du Père qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, c'est la voix de Jésus-Christ. Puisque c'est la gloire de Jésus-Christ qui parlait, donc c'est Jésus-Christ. Donc, si vous ne comprenez pas, vous appelez. OK? Parce que je veux que vous compreniez. Écoutez bien. Vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Jean 5, 37. Donc, si on n'a jamais entendu la voix du Père, la voix qui parlait, c'était la voix de qui alors? C'était la voix de la gloire magnifique. Amen. La gloire magnifique, c'était qui? C'est cette gloire-là, oui, que les apôtres ont vue. Parce qu'ils disaient, hein, dans 2 Pierre, le même 2 Pierre là, hein, 2 Pierre 1, 10 et 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, s'ils ont vu la majesté de Dieu, comment comprenez-vous cela, chers téléspectateurs, hein? Avoir vu la majesté de Dieu. La majesté de Dieu pour vous, c'est croire. Hein? Ils ont vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour vous, c'est quoi? Quand Étienne a dit dans Actes 7, 56, 56, 57, hein? Il vit la gloire de Dieu. C'était la gloire de qui? Vous pensez que c'était la gloire de quelqu'un d'autre? Mais c'était la gloire de Jésus-Christ. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et Jésus a debout à la droite de Dieu. Donc, ils ont vu la gloire de Jésus. Jésus debout à le pouvoir, la puissance, l'autorité, la majesté, la gloire en tant que Dieu. Et je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je dois conclure. Je dois conclure ce sujet correctement afin que vous puissiez comprendre. Je vais vous montrer après, quand nous allons conclure, que Dieu n'adore personne que lui-même. Dieu adore aussi. Dieu adore lui-même. Je vais vous montrer cela. Parce qu'il ne peut, tout comme je vous ai montré qu'il a juré par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par un autre plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Donc, il donne gloire à lui-même. Lorsque Jésus-Christ dit dans Jean 17, le verset 1er, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Alors, vous pensez que le Dieu Tout-Puissant va donner la gloire à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même? Mais ce n'est pas vrai, chers téléspectateurs. 100% évangélique, soyez bénis au nom de Jésus. Bon Dieu béni, mon frère, moi. Comment est-ce? D'accord avec vous, parce que quand les disciples demandaient à Jésus, mais où est le Père? Et quelle est la réponse que Jésus avait donnée? Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu.
Merci beaucoup. Amen. Je crois que ce verset aussi explique tout. Amen, serviteur, amen. Jean 14, 9. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est une autre personne, que ce n'est pas Jésus. Que Dieu est le Père de Jésus. C'est comme si c'était deux personnes. Mais pourtant, c'est une seule. Une seule. Une seule personne. Exact. Je crois que ce verset a été clair. Amen. Qu'on n'a pas le droit d'ajouter une idole. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Oui, c'est comme, par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils essaient de traduire le verset 28 de Jean 14 en disant que le Père est plus grand que moi. Donc Jésus-Christ parlait de sa majesté dans son humanité en tant qu'homme, avec le corps de Jésus. Lorsqu'il dit « le Père est plus grand que moi », il parle dans son humanité. Amen. C'est sa majesté, c'est sa gloire, c'est sa puissance. Il parle de sa puissance, mais ce n'est pas de quelqu'un d'autre, mais c'est lui-même. Parce que déjà, je leur ai demandé, mais comment, si vous interprétez que Jésus-Christ n'est pas le Père par rapport à Jean 14, 28, comment vous allez m'interpréter le verset 9 de Jean 14, le même chapitre? Vous allez interpréter ça différemment? Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Comment dis-tu, Philippe, montrez-nous le Père? Donc, comment il va vous montrer un autre puisqu'il n'y a pas un autre? Exactement. C'est impossible. Ce verset est tout à fait clair. Amen. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Au voilà. Nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, mon frère, au nom de Jésus. Amen. Donc, chers téléspectateurs, je vous ai montré que dans Jean 5, 37, vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Pour les gens qui disent, ils ont entendu la voix de quelqu'un qui parlait, qui n'est pas Jésus-Christ. Si la voix que vous prétendez entendre, si vous dites que ce n'est pas Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur. Parce que si vous dites que c'est la voix du Père qui est quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Jean 5, 37. On est clair. Vous avez entendu la voix de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, franchement, j'aime la parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'à toute chose, la Bible a une réponse. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, chers téléspectateurs, et je vous prie en grâce, par les compassions de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à ne pas donner des explications dans vos pensées, selon votre avis, selon votre point de vue. Non! La Bible explique la Bible. La Bible éclaircit la Bible. Ce n'est pas mes pensées ni vos pensées, mais c'est la Bible. Hein? Si vous étiez dans les confusions en entendant la voix de quelqu'un qui parlait et que vous pensiez qu'il n'était pas Jésus-Christ, c'était quelqu'un d'autre. Maintenant, vous avez votre esprit clair. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Donc, la voix que vous entendez, ce n'était pas la voix du Père, mais c'était la voix de la gloire magnifique. 2 Pierre 1, 16, 17. C'était la voix de la gloire magnifique, 2 Pierre 1, 17. Donc, la gloire magnifique, c'était quelle gloire? C'est la gloire de Jésus-Christ. Luc 9, 31, 32. On est clair. Le verset 35, 36. Donc, on vous explique de quelle voix s'agit-elle. Hein? La voix sortait où? Dans l'agneau. L'agneau, c'est quoi? La gloire de Dieu. Parce que l'agneau symbolisait la gloire de Dieu. Donc, c'est la gloire de Dieu qui parlait. La gloire de quel Dieu? De Jésus-Christ. Parce que les apôtres ont vu cette gloire-là qui parlait. Hein? Parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Et qui parlait? C'était la gloire. Mais la gloire qui parlait, c'était la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu la gloire qui parlait. Ou bien, si vous ne voulez pas dire la gloire, donc vous dites la majesté. Ou bien l'agneau. Hein? C'est facile. Donc, chers téléspectateurs, l'important, c'est de lire. Si vous avez un verset que vous ne comprenez pas, il y a à travers la Bible un autre verset qui explique ce verset-là que vous ne comprenez pas. Peu importe quel verset, il y a un autre verset qui l'explique. Maintenant, nous allons continuer à voir. Donc, déjà, nous avons mis l'accent que personne n'a jamais
entendu la voix du Père, on est clair. Donc, on va continuer à examiner quelques textes qui parlaient de cette voix, de cette gloire magnifique qui se fit entendre. Donc, prenons maintenant, chers téléspectateurs, Matthieu 3, le verset 16-17. Parce qu'il y avait un frère qui avait appelé, je m'en souviens de ce frère, qui disait, il y avait une sorte de pour dire que la Trinité existait. Donc, tous les gens qui croient dans la Trinité, ce sont des gens idolâtres, qui ne croient pas dans le ciel, vous voyez, qui ne peuvent pas être sauvés. 100% évangélique, soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir, Frère Patrice. Bon Dieu, béni où sommes, comment y est? Mbappé, avec Jésus, tout va bien. Et s'il vous plaît, m'arrêtez de me poser une question. Et côté Jésus-Christ, le Moïse avec Élie, ça va aller le Jésus-Christ place-là. Et Jésus-Christ est venu transfiguré parce que la figure est changée. Monsieur, ne pas comprendre. Là, il a dit qu'il a bâti une maison, une pour Élie, une pour Moïse, et puis pendant la prière, et puis voir, il a parlé. Nous allons vous expliquer, mais est-ce que c'est Jésus-Christ qui a parlé de tête, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que c'est Jésus-Christ même qui dit bagage ça, celui-ci est mon fils. L'homme n'a pas parlé de fils, il parlait de petit plus. Et bien, vous ça m'a dit. Certainement. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais est-ce que c'est Jésus-Christ qui répète ces paroles ça? Qui dit pour être plus salué, c'est bon Dieu. Après ça, me vais me dire encore, après ça, me vais rapprocher pour bonne réponse là. Le Lazare est mouru. Et Jésus-Christ a parlé avec Marc pour dérouler l'os là. Marc pas quoi parce que dit Lazare attendait 4 jours et quand ça va pas tomber à pour ici. Mais Jésus-Christ lui-même foule la paix avec elle. Jésus-Christ m'a dit papa, lui dit papa, pour foule la paix que. C'est lui-même qui va te faire lui voler, ce petit pli. C'est la vapeur qui n'a pas voix. Parce que tout ça, Jésus-Christ a dit, c'est papa allemand. Tout ça, l'a dit, c'est papa allemand. Nous allons mettre au bas notre explication pour ça, s'il vous plaît. Bon, me pose une question avant de partir. Oui. Ou faites regarder la télévision? Ou bien vous la regardez longtemps qu'on a depuis au début? Pour émission ça. Non, l'émission, ça me fait regarder. Depuis que je commence à la jeudi. Non, je parle de jeudi à la. Depuis que je commence à la, vous avez regardé la télévision? Oui, je regarde. Mais on peut comprendre toujours? Non, là, je suis confus. Ok, pas de problème. Si c'est confus, pas de problème. Je vais écouter, Frère Patrick. Dis-moi. Oui, ma parole. Parce que si les mots, les liens de parole, la voix vient parler. Parce que là, il vient remettre Jésus-Christ place à l'autre, il va faire mon enfant même. On voit qu'a dit celui-ci est mon fils. L'homme n'a pas parlé de fils, parce qu'il parle de petit tout. Est-ce que pas parce que moi-même, j'ai deux petits. Si je parle de mon fils ou un garçon, si c'est des garçons, je parle de garçon, c'est petit moi. Mais est-ce que Jésus-Christ a répété la même parole ça pour pouvoir être encore? Et ça me permet de faire comprendre. Parce que s'il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ça veut dire petit ça, c'est petit moi, mais en pile là, c'est dans lui mettez toute affection, mais est-ce que c'est même Jésus-Christ qui répète bon, parole? Bon, pourquoi pas dire? Ok. Vous trouvez ça impossible que Jésus qui lui-même parle comme ça? Non, Patrice, on t'a dit non, parce que c'est demandé est-ce que c'est Jésus-Christ même qui a répété parole ça avec son tête lui encore. Ah ben exactement, c'est ça que fait tout à l'heure là, moi dit, nous prenons le conclu sujet là, pour montrer côté Dieu, by propre tête lui gloire. Ah ok. Parce que le pas cadeau l'autre monde. Ok. Et ça comme de prendre Jean 17 là avec vous, pour montrer côté le dit papa glorifiez-moi. Moment arrivé, glorifiez-moi. La question nous pose comme Esaïe 42:8 l'a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles. Donc, est-ce que le Dieu tout-puissant a glorifié l'autre qui parle lui-même? Non. Ça nous connaît, c'est impossible, c'est pas vrai. Donc, maintenant là, pour capable comprendre que Jésus-Christ baille gloire à propre tête li, il parlait à propre tête li, il priait à propre tête li, c'est ça nous en train d'éprouver. Et ça fait nous sortir dans 2 Pierre 1,
pour nous montrer que l'apôtre dit il y aura des propres yeux la gloire, la majesté de Jésus-Christ. Oui, mais... Qui est la majesté de Jésus-Christ? C'est les voix parler. Il n'y a pas dit ces voix papa parler, non? Je connais, parce que les étiennes qui répètent ces paroles, ça, dans la roche. Non, et ça vient de me confuser, franchement, mais non, et plutôt chita, tranquillise. Non, nous poser, n'a pas déposé, nous pas fait discussion parce que nous avons toujours tant d'émissions. Ok, je viens de frémir, est-ce que Jésus-Christ encore a parlé de tête comme ça? Bah, me pose une question. Est-ce qu'on croit Jésus-Christ est le papa? Hein? Est-ce qu'on croit Jésus-Christ est le papa? Non, mais Jésus-Christ m'a pas croyé le papa, me connaît pas. Ah, OK, on gère ils ont pas comprendre non. On gère ils ont pas comprendre. Donc maintenant, OK, qu'on a obligé prendre tes avoir pour me doit comprendre. Parce que ça fait longtemps n'a pas traité sujet ça là, parce que tout mon arrivé, c'est au contraire c'est élargir n'a pas en profondeur. Bien-aimé, qui j'ai mis toute mon affection, moi m'a pas croyé Jésus-Christ qui a répété même parole ça tête encore. OK, m'va faire un petit parcours avant. On va faire un petit parcours avant. Et puis, vous comprenez. On va besoin d'accrocher, non. Dieu serait dans un petit parcours. Okay, okay, et puis, on va arriver à comprendre. Allez, ça vient. Et gardez, ouvrez le bibou. Ok. Dans 1 Jean 5, 19, verset 20, 21. N'a pas juste deux versets. Ok. 1 Jean 5, verset 19. Verset 20, 21 plutôt. 20, 21. Ok. 1 Jean 5, verset 20, 21. Mm-hmm. 1 Jean 5, verset 20. Bon, comme ou pas quoi Jésus-Christ est le papa, donc ou pas quoi Jésus-Christ est Dieu tout. Verset 21. Oui, verset 20 et 21. 20 et 21? Exact. Ok, amen. Ok, il dit le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ou apôtre Jean dit Fils de Dieu. Mm-hmm. Ok, ou bien tant de Fils de Dieu. Oui. Ok, on continue. Et qu'il nous a donné, c'est-à-dire et que le Fils de Dieu nous a donné... L'intelligence. Qui nous a donné l'intelligence? C'est le Fils de Dieu lui-même. Mm-hmm. Pour connaître le véritable. Mm-hmm. Donc le véritable, c'est dit vrai Dieu. Okay. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. En son Fils, Jésus-Christ. Mm-hmm. Ça quoi c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie était. Éternel. Donc, est-ce qu'on croit Jésus-Christ est le vrai Dieu? Oui. On comprend maintenant? Oui. Bon, est-ce qu'on a compris le sujet de la traité pour nous voir qu'à parler, c'est voir Jésus-Christ lié? Ah, ben, ok. Dans sa gloire. Ah, ben, ok. Bon, l'autre petit bagaille toujours pour qu'il soit bien solide. Ok, bon, pas trop solide. Bon, l'autre verset. Mm-hmm. On regarde le texte vite fait. Zacharie 12, 10. Zacharie 12, verset 10. Et mais je montre l'éternel là, c'est lui que Jésus-Christ a même non. C'est bon l'autre. De pour fin comprendre ça, ou à comprendre sujet ça là, côté n'a pas l'air. Alors, dans Zacharie 12, 10. Oui, mais ça le dit. Oh, mais ça le dit. Alors, premièrement, m'a pris verset premier pour kawe qui est-ce qu'a pas l'air. Verset 1 a dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Mm-hmm. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Mm-hmm. Ok? Ouais. Verset 10, verset 12, je voulais partager avant là. Mm-hmm. Verset 9 a dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, c'est l'Éternel qui parle, d'accord avec moi? Oui. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Virgule. Et ils tourneront leur regard vers moi. Ou qu'à lire ce pour moi? Ok. Vers moi, celui qu'ils ont percé. Est-ce que je vais poser une question? Mm-hmm. Est-ce que vous avez percé l'Éternel? Non, mais Jésus, il était percé. Bon, ou dit Jésus, papa, même, mais l'Éternel l'a dit, il était percé, lui. Ou elle a dit, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est l'Éternel qui a parlé là, oui. Donc, l'Éternel a été percé. Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est lui, papa? Oui, mais Jésus, avec papa, il est tout fonctionné, vas-y. Non, attends.
L'autre dit Jésus avec papa font seul. C'est pas Dieu dit que Jésus-Christ. Ou pas. Ok, d'accord, pas de problème. On va faire. Parce que ça va être la Bible trop. Allez. Je ne suis pas vraiment intéressé pour apprendre ou bien pour comprendre un bagage. Mais que bon.